Polybridge, la suite de la campagne est arrivée. Alors souvenez-vous, j'avais perdu mes sauvegardes sur Polybridge qui à l'époque n'était pas cloudé. Donc du coup, en fait, c'est marrant parce que j'ai le niveau validé à la fin du truc et d'autres pas validé en plein milieu. Donc je sais pas, peut-être qu'ils ont cloudé entre temps. Du coup, de temps en temps, j'ai des niveaux validés comme ça, tu sais pas pourquoi. Là, j'ai rien de validé. Là, j'ai rien de validé aussi dans les premiers trucs. C'est marrant. Là, j'ai validé jusqu'ici. Là, cela hors budget. Enfin, c'est marrant. Bref, voilà. Et j'avais dit, il vaut mieux avancer dans l'aventure, j'ai pas envie de tout refaire. Moi, je m'en fous d'avoir les cases coloriées, j'en ai rien à battre. Et voilà. Donc, on y va, la suite de Polybridge. On a débloqué le Zen Garden, c'est la dernière mise à jour de Polybridge, c'est formidable. On y va, donc on va faire Polybridge, puis encore Polybridge si on n'a pas le temps de finir tout ça en 40 minutes, ce qui est très fort probable. Puis ensuite, on fera le nouveau bras de fer. Ok ? Ensuite, on sera Minecraft avec Fugano. C'est parti ! Oh, ça a changé maintenant, on voit les battles, vous avez vu ? Alors. Par contre, le son du jeu, c'est marrant, le son du jeu sature un peu fort, en fait. Ah, c'est marrant, il est saturé un peu. Non, mais les bordures noires en haut et en bas, c'est normal, c'est pas grave. Ça. Alors, 65 000, original concept by Zotos, donc j'imagine qu'ils se sont inspirés de certaines maps de viewers. Matériel, wood, steel, piston, suspension de cable, events, order, surfer's van, enlarged paddle boat, hydraulic phase, surfer van, enlarged paddle boat. Alors ça c'est un surfer van. Donc on a d'abord ce bateau qui passe, puis les hydrauliques, puis ensuite ce bateau qui passe. Vérifions, alors je me rappelle même plus des touches, je me rappelle de rien. Ah ouais d'accord. Donc on a celui-là qui passe, et ça va me faire échec direct. Attendez, j'attends pour voir si ça continue. J'aime pas quand les chiffres ne sont pas ronds. Merci à toi, Prime, et tu arrives en top donator bien élevé. Je te remercie de cette généreuse donation et te souhaite la bienvenue sur Azerator Télévision. Voilà. Donc on vérifie juste pour être sûr de ce qui se passe. Ah oui, on a les suspensions et tout. Alors moi, les suspensions, comme vous le savez, j'ai jamais très bien compris. J'ai jamais trop réussi à les faire. Mais c'est vachement bien, hein. C'est vachement bien. Il n'y a pas de souci. Alors attendez, on vérifie juste. On vérifie avec, en faisant passer celui-là. Et là, il y a la phase hydraulique, normalement. Ah oui, mais il va tomber, ça va quand même faire échec. Phase hydraulique et après ça. D'accord. Bon. Ça va, je commence à me rappeler des touches, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, suspension, c'était comme ça qu'il fallait faire. Hop. Donc, ça fait des trucs comme ça. Et après, en fait, vous avez... Ah, comment on fait ça? Ah, voilà. On peut monter la suspension comme ça, une sorte de grand câble... pendu entre les deux, qui doit évidemment pas toucher les bateaux, on va faire genre comme ça. Et ensuite, on peut faire bah, un petit peu tout ce qu'on veut. Alors vérifions juste, parce qu'en fait, en gros, il va falloir monter les trucs pour que les bateaux passent. Mais lui, je sais pas quand est-ce qu'il part. Ah ouais, mais on a deux vannes, oh là là. Oh, honnête, les bateaux trop jolis, je m'extase à la place de ces gros carrés rouges trop laids. Ça sert à suspendre les suspensions. Mais ouais, je sais bien. Je sais bien, n'oublie pas que le van A va au drapeau A. Ah ouais, il monte! Oh! Oh là là, c'est nouveau ça! Copy, delete, cut, copy! Trop bien! Wow! Ah merde! Trop bien! Comment on fait? Ah ouais, on peut faire ça maintenant! On peut sélectionner des trucs! Oh! 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 Ah ouais, on peut inverser! Excusez-moi, je suis en train de m'extasier. Ah, on peut faire des symétries parfaites, en gros. C'est vachement bien, ça. En gros, je peux dire... Oh, putain, je me trompe de touche. En gros, je peux faire genre ça. Je copie. Hop, je le mets genre là. Ah, c'est trop bien! Vous avez vu ça? Énorme! Vous avez vu ça? C'est énorme. Bon, ça me paraît être un pont extrêmement compliqué, par contre, du coup. Là, on voit qu'on avance quand même dans le jeu pas mal. Je sais pas trop comment on va faire pour pouvoir monter ce truc-là. Il va falloir un hydraulique qui monte vachement. Ou alors qui descend après. C'est-à-dire qu'on a notre route de base qui va être... Mais ça me saoule cette musique beaucoup trop forte qui bug là. La musique bug. Voilà. Là elle est moins saturée. En gros il faudrait un truc qui monte de base et qui ensuite descend. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas trop. La suspension, je pourrais l'enlever, cela dit. Mais en fait, il faudrait quand même qu'il passe. Que là, en gros, il va quand même se faire casser. Oh, ça va être... Franchement, ça va être chaud. Hein. Ça va être méga, méga chaud. Trop joli, la copie Zera. Tu m'éclates quand tu t'extases devant un truc totalement simple. Mais pas du tout. Pas du tout. 5 heures de jeu sur 10 économisées grâce à cette méthode de copie. Pas du tout.
Attendez, là, je sais pas du tout comment faire. À moins qu'il saute. Et vous n'aurez jamais les plans. Ah mais non, parce que le van A... En fait, la route peut faire comme ça. Parce que le bateau sera déjà passé à ce moment-là. Mais il faut qu'elle soit... Il faut qu'elle retombe. Oh, oh là là. En gros, vous avez pigé. En gros, il faut que... Attendez. Il pleut de l'argent. Mais qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? Bon, je te remercie, c'est très généreux de ta part, mais... Garde-en pour plus tard. Économie! Mais je te remercie, évidemment. 123,45€. 1, 2, 3, 4, 5, il a mis. Il est malade. Non, mais hydraulique, je sais. Regarde l'ordre de passage. Alors, c'est où déjà l'ordre de passage? Non, mais l'ordre de passage, j'ai compris. En gros, c'est d'abord lui, en même temps, ce van part. Puis, phase hydraulique. Puis, ce van-là part. Enfin, je pense que j'ai compris. Donc, en gros, ce qu'il faudrait, c'est tenir la route. Tenez la route! Non, ça, c'est pas droit. Je veux dire. Non! On va tenir la route comme ça. Et putain. Et ensuite qu'elle retombe. Mais pour tenir une route comme ça en hydraulique, mon pote. Je sais pas moi. On va mettre des câbles pour que ça tienne et tout. Je fais n'importe quoi. Mais bon, faut tenter, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, au bout d'un moment. Mais ça tombe ça. Même pas. Ah oui, est-ce que ça marche? Ah mais putain, mais il faut que ça fonctionne. Il faut que ça tienne. Bon attends, tu me saoules. Il faudrait un faiseur de triangles dans ce jeu pour dire voilà, là il y a des triangles et ça tient. Cela dit, on a 65 000 boules hein, donc en fait, c'est quand même. On a quand même beaucoup d'argent pour faire ce pont. Il faudrait que je me lâche un peu sur les moyens techniques demandés. Alors voyons voir. En gros là, est-ce que. Mais non, il est tombé, c'est pas possible. Non, parce que ça va pas du tout. Parce que là, il tombe ou pas? Ah, il tient carrément comme ça. Avance, Johnny! Et là, il va retomber en arrière. Non! Oh putain. Et oui, non, parce que la phase hydraulique. Ah ouais, non, d'abord il s'arrête. Ah ouais, d'accord. En fait, faut que le van A passe direct en fait. Parce que sinon. Ah ouais, mais c'est chaud! Méga chaud. Comment on enlève la grille? Là, c'est pas J. Grid. The grid. Ce qui veut dire qu'en gros on pourrait faire un truc à la con comme ça. Dont moi seul est le secret. Non mais faire un truc qui monte le moins possible. Qui ne casse pas le. Oh non, j'allais pas mettre des zéros dans la donation. J'espère que ça me mettra pas dans la merde, mais tu le mérites avec ta bonne humeur. Breton passe un message pour 100€. Et nous remercie d'être là. Alors que c'est lui qui doit être remercié de permettre à cette aventure de continuer. Merci à toi, Breton, pour cette générosité sans limite. Et ce cadeau que tu fais à moi, mais aussi à toute la communauté. En faisant ce geste. Merci à toi. Merde. Ah, on peut faire ça maintenant. C'est-à-dire qu'on peut coller des trucs même s'ils sont pas forcément collés. J'ai l'impression qu'ils ont... Ils ont ajouté un petit peu des. Ils ont ajouté des polygones. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ah! Alors on va faire un truc trop marrant. Des triangles, comme d'habitude. Et là! Est-ce que le van passe? Le caravane passe. Bon, après, c'est marrant, mais celui-là, pour aller en bas, je sais pas comment ça va se passer. On s'en fiche complètement. Et donc là, celui-là arrive. Ensuite, il y a une phase d'hydraulique. Puis ce bateau part. Mais vérifions-le en plaçant un hydraulique quelconque, par exemple là. Vérifions. Parce que là, il n'y avait pas d'hydraulique, du coup, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, trop marrant. Alors, attendez. Voilà. Là, il y a une phase hydraulique. Et ensuite, c'est prêt pour l'autre voiture qui va tout de suite démarrer. On y va? Génial. Non, parce que j'ai une notification, parce que je vois Big Flo et Oli vous suit désormais. Trop marrant, c'est pour ça que j'ai dit trop marrant, excusez-moi. Parce que j'aime pas faire des private jokes. Faut pas que je dise genre trop marrant et tout alors que les gens ne savent pas ce qui se passe. Et c'est très gênant les streamers qui sont en mode ou les fous rires sur des plateaux télé ou des radios et trucs comme ça. Alors vous ne savez pas pourquoi c'est le cas. Du coup c'est très chiant. Donc voilà. Bon enfin bref, alors du coup
Là, la voiture A, c'est bon. Ensuite, il faut un hydraulique, il faut que cette voiture passe. Bon. On a encore quelques thunes. Oh, je pourrais faire un truc de... Oh, je vais faire un truc de ouf. Oh, je vais faire un truc de ouf. Et de là, il saute pour arriver en bas. Eh, si ça marche, je suis un génie. 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 Bon, ça va coûter la peau du cul. Mais si ça marche... Oh, si ça marche. Attendez, d'abord, je fais des consolidations très fortes de la base. Voilà. On a plus que 65 000. Attendez. Attendez. Non, pas tout, Falaway. Non. Mytho. Non, Mytho. Non. Ah, c'est pas grave, on peut rembourser celui-là. Ah, voilà, excellent. Ah, mais le bateau va tout péter. Ah, merde. Non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Il faut que ce truc tienne indépendamment du bas, parce que le bas va s'effondrer. Mais ça, c'est pas possible. Si, c'est possible. En faisant ça. Non, mais là, 65 000 balles. Bon, déjà, on va faire les triangles. Attendez, laissez-moi faire les triangles. On va voir combien il nous reste après. After triangles. Bon, là, c'est pas la peine, en fait, en théorie. Attendez, attendez. Du calme. Ça passera pas, il tombera à l'eau. Non, mais là, d'accord, mais après, je rajoute une ou deux routes, et c'est bon. Attendez. Ah, là, on est déjà hors budget. Ah, merde. Ça risque d'être chaud. Mais là, j'ai fait beaucoup de consolidations. Vous savez, d'abord, on taffe l'idée principale. Ensuite, si elle fonctionne... Ah, putain, merde. Bip, bip, bip. Pourquoi je m'en mets... Non ! Je rigolais. Ça va, l'interface... Pourquoi je fais ça, moi ? Allez, à plus dans le bus. Bah écoute, merci à toi. À bientôt. Et merci de ta générosité. Une fois encore. Hop ! Avoue que là, ça passe. Non, par contre, le stress, tu le gardes. Regardez, regardez, regardez. Là, il y a encore l'hydraulique qui va tout péter ici. Il y a l'hydraulique qui va tout péter ici. Du coup, ça va peut-être faire de la merde ici. J'espère que non. Tout va bien. Non, mais tout va bien. Est-ce que le van... Parce que le même problème, c'est que je pense que ça va casser, en fait. Oh ! Eh ben non. Alors. Hop ! Bon, faut rajouter une ou deux routes. Mais on est déjà hors budget, du coup. C'est quand même un peu chaud. Je vous cache pas que là... ça va être difficile. Ça va être difficile, mais rien n'est perdu. Bon là ça sert à rien d'essayer de faire une piste de réception puisque le poids du van sera beaucoup trop lourd. Et voilà. Je pense que là il y a trop de consolidation en fait. On va aller chercher du budget là-dedans. Là on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Ah, si on faisait juste un petit triangle. Puis ça je pense. Merde. Voilà. Oh, c'est chaud. C'est chaud, mais... Mais là, c'est bon, par exemple. Oh, allez, à vous. Oh. Attendez, attendez. Là, c'est bon. Non. Quel emmerdement. Putain. En fait, je sais même pas pourquoi je le fais monter autant. Pourquoi je le fais monter autant, en fait? Personne ne sait ça. Faudrait tout recommencer. Fais-le aller tout droit au lieu de lui faire prendre de la hauteur. Mais oui, exactement. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est complètement con. Alors on va remettre la grille. On va remettre le stress. On va le faire aller tout droit. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais enfin, c'est bien sûr. D'ailleurs, souvenez-vous. Ah, mais ça, c'est très chiant parce qu'à cause des câbles, on peut pas. Alors qu'en vrai, on peut. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est parce qu'il fallait qu'il... Ouais. Alors ça, c'est pas très grave, parce qu'on peut détruire les routes avec des hydrauliques. Du coup... on pourrait imaginer quelque chose comme ça. Ça
te sert ça? Ouais, ça tire large. Ah non, on peut pas faire ça parce que l'autre van sera gêné. Voilà pourquoi j'avais fait ça. Donc en gros, là, on ferait un truc comme ça. Comme ça, voilà. Faudra un truc comme ça. Alors, testons! Vous savez quoi? Je vais plutôt faire ça. J'avais jamais pensé à faire dans ce sens-là, mais c'est bien plus pratique. Hop. Maintenant, les APM. Tac, tout, tac, tout. Faut être précis. Son père, les ponts, des ponts, encore des ponts. Je vais les casser. Ah, le bateau. Oui, je vais les casser. Du calme. Tout le monde se calme. On n'est pas hors budget, hein? Non, toujours pas. Et là, ça donnerait quoi, là? Franchement. Parce que ça va péter, ok? Lui, là, ça pète tout. Bon, là, il y a l'hydraulique qui va tout péter, encore une fois. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, mais l'hydraulique fout trop la merde. Go! Voilà. Putain, l'hydraulique a tout pété, vous avez vu ça? C'est incroyable! Le pont jetable qui marche qu'une fois. Non, mais ça, c'est pas un argument. Je sais que c'est la première fois que vous venez sur cette télévision. Mais on a toujours fait comme ça dans Poly. Ah! Dans Polybridge! Ah putain! Et tout se passait bien. Attendez, il y a eu un petit problème de collision. Mais tout sera réparé. Voilà, tout est réparé. Il faut juste que le van puisse passer là. Attendez, ça passe là? Oh oui, c'est bon. Donc lui il arrive. Là ensuite lui go. Bon là lui il pète tout, on s'en fout. Non, ça ne tient pas en haut. Ça ne tient pas en haut. C'est bon là, ça tient. Hop, ça on fait à 300%, on s'en fout, blablabla, on sait que ça fonctionne. Hop. Alors, voyons voir. Que ça marche. Hop, non. Il faut que ça se soit consolidé et ça fonctionne. Ça fonctionnera nickel. Donc pour ça on fait ça. 60 000. Oh là 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 là. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. 62. C'est plus. 63. C'est plus. Oh putain non. Ou alors. Oh non. Oh non. Et là. Ah mais ça tiendra jamais. Ça tiendra jamais. Mais c'est le principe. Vous avez compris. Alors voyons voir. 300%. Ça va le faire, ça va le faire. Regardez ça. Hop. Suspense insoutenable. Non. Non mais ça sert à rien putain. Faut consolider ça. Il faudrait que j'arrive à faire ça en fait. 65 700, c'est plus. Et là, si on mettait du bois à la place de ça. Tout Falaway, mais Taras, mais non! Ça n'existe pas! Voilà. Ça casse? Ça casse! Ça casse, merde! Oh, mais pourquoi ça casse? Voilà. Bon, je sais. La fameuse technique de tout réduire pour gagner en budget. On les connaît, les meilleures techniques du game. Voilà, bon, ça passe. Maintenant! Allez, c'est maintenant. Fais quelque chose de plus smooth. Attendez. Ah mon dieu! Faudrait que je rattache une route de plus peut-être. Ou que la pente soit un peu plus comme ça. Peut-être que comme ça passera mieux. Le van du pont A n'a pas besoin de tant de métal. Mais si il a besoin, sinon il casse, vous avez bien vu. Après il y a peut-être pas besoin de genre de ça. Je sais pas. Voyons voir. Est-ce que ça va casser ici? Eh ben non, même pas. Là on a économisé pas mal. Ça va passer, ça va passer. Oui, oui, oui. Non. Presque. Non mais presque, on y est presque. Il s'agit d'un ajustement mineur qui va être fait. On y va. Faut que ce soit plus smooth, les gars.
Nickel. Non, parce qu'il a, il a un peu touché ici. C'est normal. Allez. Mais enfin. Mais enfin. Mais attendez. Oh non, le jeu bug. Oh non, ça bug. Oh non, ça bug. Ça bug. C'est bugué. Ah, faut faire ça et ça. Et là, c'est débugué. Ok. Bon, j'ai trouvé comment débugger ce truc. Parce que des fois, on peut plus bouger les machins. Et du coup, il faut trouver comment le débugger. Ah, mais non, mais pourquoi ça casse maintenant? C'est portable. Bon, faisons ça et ça, si ça vous fait plaisir. Ah, ça ne cassera plus. Ça ne cassera plus. Non, mais ça va le faire, ça va le faire. On va trouver, on va trouver. Et c'est des ajustements très, très mineurs. On a l'habitude, on connaît. Connaissons les beaux. Et là, ça donnerait quoi? Laissez-moi. La route du dessus fait chier quand le van tombe, non? Mais ça, c'est pas grave, ça. Oh, merde. En fait, attendez, attendez. Il faudrait que j'arrive à me rendre compte de comment la route est... à quel point la route est mal placée, en fait. Hop. Alors là, on va passer à 10%, 20%. Jusque-là, ça va. Ah, parce qu'il arrive pile dans la tranche. Chiant. Si tu fais ta piste d'atterrissage plus à la verticale pour suivre le mouvement du véhicule, ça passe pas. Et ouais, c'est ce que j'essaye de faire, vous voyez. Donc plus comme ça, alors, peut-être. Peut-être plus comme ça. Mais en fait, il arrive pile sur la tranche, du coup, c'est vraiment extrêmement mauvais pour notre histoire. 63 000. J'essaye. On fait des essais. Continue ta route du haut. Oui, sinon on le fait chuter plus bas. Ah ben voilà. Ah ben on l'a même pas vu. Play again. On se le refait en 100%. L'ajustement mineur a fonctionné. Regardez-moi ça. Donc premier... Alors attention parce que ça passe en 300%. Mais des fois ça ne passe pas en 100. Puisque vous avez l'habitude dans Polybridge, les forces ne sont pas les mêmes suivant la rapidité qu'on y place dans le temps. V égale D sur T. Regardez. On a réussi à encaisser cette chute. Hop. Formidable. Excellent. Donc une fois de plus, une fois de plus, encore une victoire de canard. Histogramme, budget UZ 64 889, c'est plus. Matériel footprint, je sais pas ce que c'est. Max joint stress, bon ça stresse un peu mais c'est pas grave. Donc formidable, GG. Premier niveau de cette nouvelle zone passée. Triple dump, que du wood et du steel. Ok, dump truck and dump truck and dump truck. Alors là il faut juste aller d'un point A à un point B, et on a très peu de matériaux. Donc il doit y avoir une arnaque quelque part. Donc on va d'abord essayer de faire quelque chose de très classique. Évidemment, nous avons 65 000 de budget. Alors nous avons du métal et du bois. Uniquement du métal et du bois. Et évidemment, ces camions pèsent un âne mort. Donc vous vous doutez bien que ici, notre problème sera évidemment le poids et le fait de ne pas pouvoir mettre du métal partout, puisque le métal nous coûtera sûrement la peau du cul. Mais on peut aussi avoir une surprise parfois, et en faisant quelque chose de triangulairement métallique, eh bien avoir une bonne surprise, comme on a pu déjà en avoir dans Polybridge. Donc là, on transporte des Bagger 288, évidemment, dans ce niveau-là. Et on va juste voir si... Alors là, je pense pas qu'on aura le budget, effectivement, hein, pour placer toutes ces poutrelles, et ça va être là le défi technique. Eh bien, si nous l'aurons, nous l'aurons. Bien, si nous l'aurons. Alors là il va sûrement chuter du coup notre pont. Voyons voir. Exactement. Voilà. Donc là est tout le défi technique, puisque notre pont est trop lourd en fait en son milieu, et fait donc chuter toute la connerie. Donc en fait l'idée c'est qu'on puisse, eh bien encore une fois, grâce à cette petite technique de filou, j'ai envie de dire, eh bien pouvoir un petit peu tricher sur ces consolidations en faisant des trucs comme ça, et en essayant peut-être de faire de la consolidation de type bois. De type bois, mais alors faudra voir symétriquement jusqu'où on peut aller avec cette consolidation de type bois. On a droit à 65 000 boules, ça va, c'est quand même assez, assez large. Donc là je fais n'importe quoi, je fais des essais d'abord. On commence toujours par des essais, bien évidemment. Bon... 57 000 boules pour l'instant. Tac. Non, bah non, pas tout Fallaway, ouais, je l'ai fait de l'autre côté. N'importe quoi. Jean-Paul Good. Attendez. Putain. Calme, du calme, du calme. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Ah, mais il y a un joint en plus que je n'ai pas fait.
En fait, ce joint n'existe pas. Voilà, d'accord. Et celui-là existe, lui. Oh là là, c'est trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Est-ce qu'on aura assez pour placer toutes les trucs de bois? Peut-être que oui. Peut-être que non. J'en doute énormément maintenant. 64 000, merde. Alors, voyons voir si juste... Là, on est déjà en budget. Voyons voir si avec ça, ça passe ou pas. Parce que le dump truck est extrêmement lourd. Mais en fait, le pont de base ne tient pas. En fait, toute la difficulté va résider dans faire tenir le pont. Oh, ça tient même pas. Voilà. Du calme. C'est vrai qu'on peut copier-coller. Chaque fois, j'oublie. Mais le temps que je fasse la manip, c'est plus rapide que je la fasse à la main, en fait. Finalement. À la mano. Comme on dit. J'en doute, Zera. La symétrie, Zera. Ouais, le métal doit soutenir, pas suspendre. Non, non, mais je suis d'accord. Ici, on peut avoir un métal qui soutient, pas suspendre. Tu as tout à fait raison. Alors, par exemple, si on fait ça, ça, et que là, je fais ça, copy, poids, poids, poids. Ah ouais. Ha ! Trop cool ! Trop cool. On peut même, en plus, il remplace les mauvais. Wow ! Quel talent ! Génial, j'ai oublié un truc. Je voudrais refaire, pardon. Oh, c'est formidable. Ah tiens, un nouvel abonné. Salut à toi, Baltou, bienvenue sur les abonnés de la Zerator Télévision. Je te souhaite la bienvenue. J'espère que tu seras heureux avec cet abonnement. Mais comment ne pas l'être? Comment ne pas l'être? Du métal en soutien. Ouais, du calme, du calme. Videz les intérieurs. Voilà. Voilà. On se met à la même ligne. Voilà. On soutient par du métal. On soutient. Ouais, c'est ça. T'imagines dans la vraie vie, on fait d'abord des essais. 36 camions et planches de bois à la mer. Putain, et quelques millions dépensés à recréer, engager des crash testers. Enfin, le pont est là. Oh putain. Eh ben oui, qu'est-ce que vous croyez? On va s'emmerder. Hein. Attendez. Hop. Copier. Trop marrant. Ah mais là ça va coûter la peau du cul. Hop. Oh là là, c'est formidable. Je maîtrise les outils du jeu à la perfection. Un vrai pro gamer. Ah, parce que là on a plus la place. Ça tient? Ça tient pas du tout. Comment est-ce que je vais bien pouvoir faire? Comment un pont de cette longueur peut-il tenir? Faudrait faire au fur et à mesure en fait. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Genre là ça tient par exemple. Ça tient large! Ah oui, ça tient large pour les trois camions! Ça tient large pour les trois camions. Ok. Donc ça c'est bien. Regarde, on ralentit et corrige les trucs rouges un par un. Ouais mais non, en fait je pense qu'il va falloir qu'on fasse des petits arcs de cercle. Comme on avait appris dans le tuto du jeu, vous savez. Donc ça c'est pas mal. De faire une espèce de dôme. De dôme, mais alors un dôme peut-être par en dessous. Genre une sorte de truc, vous voyez, si j'enlevais la grille ça se verrait. Ce serait beaucoup plus simple à expliquer. En gros une sorte de truc qui ferait genre ça. Voilà. Et qui, bon là c'est de la merde, c'est pas du tout un arc de cercle. Mais vous avez compris le principe. Et en gros on soutiendrait par en bas ce pont. Mais le problème c'est que ça, ça pend. Et la force de l'arc ne sera bénéfice. On aura la force de l'arc que par le haut en fait. Du coup il faudrait faire une sorte de truc comme ça. À peu près. On faudrait faire une sorte de truc comme ça. Voilà. Une sorte de machin d'un genre. Et alors, grâce à cela, nous pourrions peut-être... Bon, de toute façon, la route, il n'y a pas trop de débat. Elle sera comme ça, ça c'est sûr. Ça... Non, saloperie. Tu restes là. Voilà. Pas trop de débat pour la route, évidemment. Zera, fais deux tours de métal posés à un tiers et deux tiers du pont, appuyé sur le fond marin pour soutenir le bordel. Ingénieur nous a fait cette donation. Alors oui, c'est une possibilité aussi. C'est vrai qu'on pourrait faire des tours de métal, de métaux, d'acier, peu importe, pour avoir le truc. Mais non, la route smooth, pas l'arche métallique.
La route en arc. Alors on peut, oui, c'est vrai que si on fait la route en arc, on peut la soutenir par une structure d'acier plate. C'est vrai aussi, ouais. C'est vrai qu'on peut faire ça. C'est vrai qu'une route en arc, en effet, procurerait la possibilité de soutenir par en bas. C'est pas mal. Alors on va essayer les deux. Et maintenant on remplit tout ça de bois. Ah, formidable. Mais déjà faudrait voir en fait, au premier abord, faudrait déjà voir si tout tient. Attendez. Hop. Après si on fait ça. Hop. Ah oh, merde. Non, je. Ah oh, non, je. Ah oui, si on se trompe, c'est. Ça ne pardonne pas. Hop. Non. Je me suis trompé. Ouais, malheureusement, on ne peut pas. C'est pas grave, tout à l'heure, j'ai triché. J'en ai fait un avant. Mais là, le pont, de toute façon, ne tiendra même pas si je l'attache. Je suis même pas sûr que ça tienne. On va le faire à la mano. 37 000 de budget actuellement. Pff. Allez, majuscule. Ah, mais c'est majuscule de gauche. Ah, ça fait une différence, je savais même pas. Un peu soupolé le jeu, là. On fait une deuxième étage de soutien. Attendez, je fais des essais. Heureusement, on a le copier-coller. Ça nous permet de faire des choses absolument exceptionnelles. Cela dit, on pourrait essayer de faire plus exceptionnel. Genre, de mettre au milieu comme ça. Ça tiendrait mieux. Ça tiendrait mieux. Easy, ça passe, quelqu'un a dit. Fais des câbles en bois à la rigueur. Alors, dans Polybridge, les câbles en bois... non pas que ça n'existe pas, je vois ce que tu veux dire, hein, bien sûr. Mais ce sera pas assez solide. Vous avez compris ce qu'il voulait dire par câble en bois, j'espère. Évidemment, vous êtes tous des vieux intelligents. Ah, 66 000. Donc au bout d'un moment, le jeu en a marre. Le jeu en a méga marre. Méga marre X. On y va. Ah. Et là, on arrive au stade où on doit juste suspendre au métal. Mais je sais même pas si ça tiendra. Ça tiendra pas, je pense. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on peut pas tester au fur et à mesure parce qu'il faut la structure globale pour voir si ça tient. Du coup, c'est un petit peu bâtard comme truc. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est un peu chiant. C'est pas vraiment testable avant d'avoir la structure complète. C'est un peu chiant. 64 000 déjà! Ah ouais! Ça passera jamais. En plus, j'ai pas assez fait de pièces métalliques qui se soutiennent les unes aux autres. En fait, j'aurais dû faire des trucs plus grands. Et là, comme je regrette. Parce que là, non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien ce que je fais. Parce que là, en gros, il y aura pas assez de pièces de bois de toute façon. En gros, on peut tout supprimer. Faudrait partir du haut en fait. Non, faudrait partir avec juste des trucs plus grands, des étages plus grands. Tentons avec des étages plus grands. Du calme. Population du streaming français. Je vous demande de vous calmer. Faisons les étages les plus hauts possibles. Et parce que ça fera du coup un étage en moins, in fine. Nous économisons un étage, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hein. Hop, 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 hop. Là, on est pas mal. Regardez, 57 000. Bon. Et maintenant, on peut peut-être y arriver. Voyez la différence. Voilà, par contre, c'est chiant. Voilà, c'est bon. 60 000. Bon. Là par contre, faut qu'on enlève la grille afin de pouvoir faire des... Waouh ! Pas ça du tout. Afin de pouvoir faire des miracles avec les attaches et ajuster un petit peu ce bordel. Lui peut s'attacher à quoi ? À lui ? Ah, on est à 63 000, merde ! Pas 63 000, merde, évidemment. Pas 63 000 d'éjection, vous pensez bien. Ah.
je pense que ça marchera pas quand même. Je pense que ça va quand même tomber. Ah ouais, mais là non. Ah là, c'est pas attaché. Aïe 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 aïe. On est hors budget, j'avais même pas vu. Et comment ça? Eh ben, tire-toi même, comme tu fais d'habitude, le jeu là. On est hors budget, mais bon. Ah, ça tient. Alors après, est-ce que ça tient avec les camions? Ah là, on voit que c'est... Ah non, c'est trop stressé. Avec les trois camions, ça passe pas. Donc c'est un peu compliqué avec les trois camions, vous avez vu. Modifie l'arc de cercle quand tu as fini de faire la structure en bois symétrique. C'est vrai que ouais, c'est vrai, on pourrait faire ça. Une structure en bois symétrique et ensuite l'arc de cercle en fonction de ça. C'est vrai que ça pourrait faire un truc pas mal. C'est de faire une arche, pas un truc ovale. Ah ouais, une arche genre comme ça carrément. Un U à l'envers quoi. Un U à l'envers. Tu peux également faire des triangles sous la route dont la ligne horizontale sera faite en câble. Alors en fait j'ai pas de câble, hein. Je n'ai que métal et bois. Mesdames et messieurs. D'accord. Fais l'arc de cercle plus petit. Ouais, on pourrait faire un étage en moins. Ça nous rajouterait en plus du budget pour consolider tout le bordel. Écoutez, on a fait un premier essai, c'est comme ça. Il faut faire des tests. Vous savez que dans ce jeu plus que dans tous les autres, il faut faire des expériences. En fait, je vais supprimer ça carrément. Après, je sais pas si... Et ouais, mais non, parce qu'il faut que ce soit un minimum rond en fait, parce que là ça reste plat. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne date pas du tout symétrique là. C'est dur de faire un truc un peu symétrique quand même. Alors, peux-tu faire un arc de cercle avec la route et un petit peu au-dessus avec la structure? Essaye d'arrondir la route aussi. Le problème d'arrondir la route, c'est que le moment de la montée et de la descente va être terrible. Ou alors la route en arc de cercle est consolidée en dessous. Alors ça, c'est ce qu'on fera en deuxième essai. Un essai qui me plaît plus, je vous le dis, mais j'ai envie d'essayer ça pour l'instant. Barnapoulpe s'abonne à Lazerator TV. Bienvenue à cette personne. Bonjour à toi, Barnapoulpe. Il m'a dit je devrais diviser en deux mes poutres métalliques. Je sais pas si c'est le même coup ou si chaque route métallique provoque une attache de plus. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est le même coût. Alors que ça devrait pas. Ça devrait pas être le cas. Le cas Sartre. Ouais. Là, ça devrait être une poutre métallique, ça, en fait. Hop. Voilà. En fait, c'était du bois. Le point jaune que vous pouviez voir était du bois. Bon, alors. Je pense que c'est de la merde ce que je suis en train de faire, mais bon. Oh, alors. Le problème, c'est que ça, bon, pas trop tenir ici. Et après, on va diviser chaque poutre. En fait, voilà, faudrait faire un... J'y crois pas trop, je sais même pas pourquoi je fais ça en vrai, mais bon. Les APM. Allez, bordel! Tout far away, mais Taras, c'est pas vrai! Menteur! Excusez-moi, je sais pas pourquoi je suis aussi vulgaire. Descends un peu. Ouais. Et maintenant, vu qu'il nous reste de la thune, pourquoi ne pas? Voilà. C'est gratuit. Voilà. Ah, c'est gratuit, mais c'est hors budget. Bon, ça passe pas, non? Ça va péter avec les trois camions. Ouais, voilà, mais bon, c'est l'idée. Bon, ça... Ça passait presque, hein, c'est dommage. Mais ça pète, hein, vous voyez ce que je veux dire?
Au lieu de faire des petits triangles qui relient l'arc au bois, fais-les en métal pour que ça soutienne la route et le bois soit consolidé. Alors le problème, c'est le budget, c'est toujours pareil. Je pourrais le faire aussi en... En métal, c'est vrai, mais pas de budget, évidemment. C'est chaud, mais avec les trois camions, ça passe pas. Regardez, un camion, stress orange, deux camions, stress rouge, troisième camion, catastrophe, et c'est tout le pont qui prend, prend trop cher dans la gueule. C'est marrant, on voit que ce qui prend le plus de force, c'est la ligne ici. C'est assez intéressant de voir ça. Là où c'est rouge, mais du métal. Mélange bois et métal dans l'arc. Je peux pas, j'ai déjà plus de budget en mettant que du bois. Vous êtes bêtes ou quoi? Si j'ai plus de budget en mettant que du bois, si je mélange bois et métal, ce sera terrible, je ne pourrai pas. Vous remplacez le bois qui pète et virez le bois qui stresse pas. Mais non, mais vous n'avez jamais joué au jeu. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, on va tenter l'autre technique qui me semble beaucoup plus appropriée, c'est-à-dire celle de faire une route un petit peu comme ça, là. Un super arc de cercle, ça va être énorme. En la consolidant par le bas. On va essayer ça, juste après la pause. Restez avec nous, et si vous avez des idées, écrivez-les dans le chat pendant la pause, et comme ça, moi, je lis. A tout de suite, ne bougez pas. Nous sommes sur Lazerator Télévision.